Salut à tous, c'est Shadow Nightmare. Et comme vous pouvez voir, je suis déjà en train de courir comme y'a pas. Je suis en train de me diriger vers la page de Codex de Venise. Donc vous inquiétez pas, j'ai juste commencé à courir vers la page, hein. J'ai pas encore ouvert. Trouvé une page, donc pour l'instant je me dirige vers elle. Sachant qu'après il doit y en avoir dans les autres villes. Donc pour aujourd'hui, hein, comme je l'ai dit, ça va être chercher les pages et faire les repères des Templiers que sûrement certains d'entre vous n'ont pas pu les faire, simplement parce que ce sont des DLC que j'ai moi-même acheté, mais voilà, certains peut-être acheté le DLC. Donc attendez, je prends les courtisanes pour les amener vers les messieurs qui doivent être là. Voilà. Justement, je pensais en venant à Venise, hein, je parle pas en venant devant la vidéo, mais je pensais en venant, est-ce que vous voulez que je fasse un épisode où je ferais que des trucs annexes, genre les contrats d'assassinat, les courses de voleurs et tout, est-ce que vous voulez que je le fasse ou alors je finis le walkthrough sans les faire et tout, quoique je pourrais les refaire après avoir fini le jeu, hein, c'est pas gênant. Je pourrais très bien commencer le walkthrough d'Assassin's Creed Brotherhood et vous faire les contrats d'assassinat et tout là-dessus, hein. Je ferai des épisodes spéciaux et voilà, mais est-ce que vous voulez que je fasse, alors c'est à vous de me le dire dans les commentaires, si oui ou non ça vous semble intéressant ou pas, à vous de voir, franchement à vous de voir, moi personnellement c'est vous qui décidez, là j'ai pas d'avis, personnellement, si je vois que dans les commentaires ça répond pas et tout, bah je vais finir le walkthrough, hein. Puis voilà. Donc à vous de me dire ça. Purée, il est loin, non? Ils sont loin, n'empêche les repères des Templiers, je viens juste de m'en rendre compte, la vache. Ça fait loin. Non, là c'est des coffres, hein. De toute façon, les pages de codex sont indiquées sur la carte quand vous êtes à la fin du jeu. Donc rassurez-vous. C'est par où? Ça doit être par là. Il est loin, le repère, c'est un truc de fou. Ah oui, je me rappelle de ce repère-là. Alors, si je dis pas de bêtises, il va être bien. Je crois que ça se passe dans les... C'est un nom. Attendez. Ah. Bon, bah ça va plus. C'est un nom, je sais plus du tout comment on appelle ça. Dans les docks. Ouais, normalement c'est dans les docks. Enfin, il est pas trop mal. Franchement, les DLC étaient pas trop mal. Ça valait le coup. Surtout que moi j'adore les tombeaux d'assassins. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça des tombeaux d'assassins. Même dans C3 j'appelle ça comme ça. J'adore ça, je trouve que c'est vachement bien fait. Donc là on va faire. Enfin là c'est pas vraiment un tombeau d'assassin, c'est plus un repère des Templiers. Donc c'est juste pour vous le montrer parce que certains d'entre vous, voilà, comme j'ai dit, n'ont peut-être pas les DLC et n'ont pas forcément vu ce qu'il y a. Et je trouve que ça serait pas mal de le faire. Désolé, je suis en train de répondre à mes SMS parce que là, pour ceux qui n'ont pas suivi, cet épisode-là est tourné juste après le dernier épisode, hein, mais c'est juste aussitôt et j'ai des SMS à répondre, donc je suis vraiment désolé. Je sais que c'est pas très poli, mais il faut que j'y réponde. C'est important. Alors là, on va plonger. Normalement, on plonge en dessous, si j'ai pas de bêtises. Oui. C'est bizarre, c'est pas celle que je pensais. Je me rappelle plus du tout. Par contre, alors là, je vais pas vous cacher, je me rappelle plus du tout. Normalement, on monte, c'est ça, ouais. Je me rappelle plus du tout. Tiens. Ah ouais, si, c'est bon. Donc là, une petite vue d'ensemble de la map. Hein. Alors, je vais sûrement avoir des fails, ça, c'est sûr et certain. Va pas y avoir une cinématique aussi avec un gars qui se fait taper. Si. Ah, je vous laisse écouter alors. Ah non, c'est pas encore. Autant pour moi. Allez hop, première cible éliminée. Cette carte là est vraiment pas mal, elle est vraiment chouette. Attendez, hop, on va sauter là. Clac, clac. Ah, de toute façon, moi, comme j'ai dit, j'adore ça. Normalement, les deux sont éliminables, oui. Alors là, vous pouvez vous faire repérer, mais bon, le but n'est pas de vous faire repérer, bien entendu, hein, c'est de faire ça discrètement. Là, je me fail pas en plus pour le moment. Pour le moment, parce qu'après ça va être tout autre chose. Et ouais, c'était dans les DLC et c'était assez sympa, j'aimais bien, moi j'ai bien aimé. J'espère qu'ils vont nous servir ça aussi dans AC3, parce que là j'ai acheté le Season Pass pour ceux qui connaissent sur AC3, j'espère qu'il va être bien. Personnellement, je me suis fait un peu avoir parce que le premier truc qu'on a, bah, c'est un truc que j'avais déjà dans la Freedom, donc bon, ça fout un peu les boules quand même, mais bon.
Il y avait un mec, je sais pas qui il était. Je sais plus du tout par où qu'on va là. D'accord, par là. Hop là! Je sais plus du tout. Hop. Je crois que normalement, si je dis pas de bêtises, c'est par là, voilà. Hop. Hop là. Alors là, par contre, je me suis fait repérer, j'ai fait le boulet, je l'avoue, je l'avoue. Bon, vous savez quoi? Ah mince, je vais faire un truc. Voilà. Et toi, la même chose. Voilà, j'étais concentré. Et... Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Hop là. On va aller se barrer par où? On va aller se barrer par... je sais plus d'où on vient de par là. Donc on va aller par là. Si je dis pas de bêtises, logiquement. Ouais, normalement c'est par là. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais logiquement, non, je suis bon. On va voir ça. Là. J'essaye de pas me rater, et là je suis fier de moi, je me rate pas trop. C'est pas trop mal. Ah, par contre je voulais pas monter moi personnellement. Je sais plus du tout par où qu'on va. On continue par là? Ah ouais, on continue par là. Bon, c'est bon alors. Ouais, normalement là on va devoir sauter. Bim. Et bim. Non, même pas, ça veut pas. Ah oui, je suis bête. Je tenais pas la bonne touche. Voilà, bon, je vous laisse regarder un peu. Très bien, tuez-moi. Moi au moins, je n'ai rien à me reprocher. C'est pas comme le gros porc que j'ai en face de moi. Il avait qu'à garder un œil sur ses hommes. S'introduire dans la salle du trésor, ça c'est une grave provocation. On avait besoin de lui pour construire les bateaux. Et là va y avoir une course poursuite qui va s'engendrer, donc je sais, c'est pas la fin de la cinématique, c'est pas grave. Dès qu'on va avoir assassiné lui, donc, ça veut pas. Voilà. Le monsieur d'en face va se barrer, comme vous pouvez voir, et le but va être de le rattraper, un peu comme un ancien tombeau d'assassin. Donc là le but va être de le rattraper. Généralement je me fail, mais je vais essayer de pas me fail pour aujourd'hui. Quoique là je me suis pas raté, donc je pense que je devrais pas le faire. J'espère. J'espère fortement. Hop là. Je l'ai assassiné alors que voilà, j'étais même pas à la moitié du chemin. D'habitude je me rate. Et voilà, donc là on voit la porte des Templiers qui est ouverte. Enfin la porte des Templiers, la porte où est caché un des coffres de Templiers. Vous pouvez voir qu'il y a encore des Templiers, mais vu qu'on a tué le messager, enfin moi j'appelle ça un messager personnellement, on va avoir moins de mal vu qu'il a pas alerté les autres gardes. Par contre je sais plus du tout où est l'entrée. Hop là. Je sais plus du tout où est l'entrée, donc on va voir ça, franchement je sais plus du tout. Normalement bon, on va suivre le marqueur, hein, truc tout bête. Normalement ça devrait être par là. Si je dis pas de bêtises. Tatatum. Je sais plus du tout par où que c'est là. Mince. En fait c'était sur le bateau je pense, hein. On va regarder ça, mais... Ah oui, normalement voilà, ouais, normalement on doit poursuivre la cible ici, oui je me rappelle. On la poursuit là. Et ah ouais, donc je l'ai tué assez rapidement quand même, parce que je me rappelle que moi à chaque fois il attend de faire tout ça. Et ah ouais, donc j'étais assez... Ah oui, j'étais même plus que rapide là pour une fois, ouais. Je me suis pas mal débrouillé. Et normalement, voilà, on arrive là et généralement je le tue là. Bon, je me rappelle, hop, je saute là sur les, voilà, sur les trucs en bas et généralement je le tue là. Voilà pour la petite histoire. Normalement, il continue, hein. Il continue jusqu'à, ouais, il continue vachement. Hein. Donc ouais, je me suis pas mal débrouillé. Oui, ah oui, je me rappelle de ça. Ah ouais, là je suis étonné de moi. Il y en a qui doivent se dire c'est bon, tu te sens plus, mais ah, je suis étonné de moi. D'habitude, je tue pas aussi loin que ça. En même temps, faut dire que ce tombeau, je le fais très rarement. Je le fais très très rarement. Je l'aime bien, hein, il est vraiment bien. Hein. Vous pouvez voir que voilà, je me rate pas. Je l'aime bien. Mais ouais, je le fais très rarement. Peut-être parce que c'est un DLC et que voilà, j'y joue pas tout le temps. Mince, c'est par là, je fais des bêtises. Mais je l'aime bien. Mais là, je me suis pas raté. Je suis content. C'est pas mal. Donc là, on va aller vers la porte. On va l'ouvrir.
Je sais pas si on prend l'argent ou pas, je sais plus. Bon, vous savez quoi? Non, de toute façon, on est obligé de prendre le coffre. On prend le coffre, on va pas ouvrir les autres. Par contre, vous ouvrez les petits autres, hein, y en a pas mal. Moi, personnellement, je veux juste ouvrir le gros parce que la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer un peu les tombeaux de Templiers que vous avez pas forcément pu voir, vous, de votre plein gré, parce que vous avez peut-être pas les DLC et tout. Donc, moi, c'est juste pour vous montrer les DLC. Y aura peut-être deux épisodes parce que je crois qu'il y en a encore moins. Deux autres tombeaux, là on va en faire un prochain je pense. Et il nous restera encore deux tombeaux d'assassins, donc enfin pas deux tombeaux mais voilà. Donc ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Attendez, je fais juste un petit truc. Désolé. Voilà, bah en plus ça tombe bien, la cinématique était pas finie et moi j'avais le temps de répondre encore un message assez important. Donc là on va aller vers vers le deuxième tombeau. Ah, par contre je pensais pas que j'allais mettre autant de temps pour faire un tombeau, 10 minutes quand même. Ouais, on va juste avoir le temps de faire l'autre tombeau. Je regarde s'il n'y a pas moyen que j'aille plus vite pour me déplacer, histoire de nous gagner du temps. Si, hein, ouais. Il y a un moyen qu'on se déplace plus vite, ouais. Ouais. Bah bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça, la one again. Ou alors, on passe par les... Ah oui, alors attendez, parce que là, on est dans les docks. On va falloir qu'on ressorte d'abord. Ah, oh, purée. Ouais, il va falloir qu'on ressorte des docks. Ah bah, c'est bon, on est déjà ressorti. Bon, moi, ça va. Je n'ai rien dit. Donc voilà, ça, c'était le premier pas tombeau, parce qu'à chaque fois, j'ai dit ça. La première cache des Templiers, donc là on va aller se diriger vers la deuxième. Je me rappelle plus du tout de la deuxième par contre, alors là... ouais, là je sais plus du tout. Je suis même choqué, je sais plus du tout ce que c'était la deuxième, enfin bref. De toute façon je vais redécouvrir ça avec vous. Ah si, ouais, ça y est, j'ai peut-être une idée. Peut-être, mais ça va être dur. Mais voilà, donc ça va sûrement, voilà. Moi je voulais vous les proposer parce que c'est pas trop mal à regarder. Puis ça fait partie aussi du truth et puis enfin c'est surtout, enfin à la base ça devrait peut-être pas faire partie, mais surtout pour vous montrer pour ceux qui ont pas les DLC, parce que tout le monde ne peut pas acheter les DLC, hein, ça se trouve il y en a qui préfèrent pas les acheter et puis voilà, ils ont raison hein, pour certains trucs. Mais bah là en l'occurrence bah ils pourront au moins, ça se trouve il y en a aussi qui font les walkthroughs sur Assassin's Creed 2 et qui ne montent pas forcément les DLC. Et donc là je vais vous les montrer, comme ça vous aurez une voilà, vous aurez au moins vous saurez au moins ce qui vous attend dans les DLC, et pour ceux que ça tente, même pour ceux que ça tente pas et qui au moins là peuvent voir bah, ce qu'il y avait dans les DLC. Donc voilà, c'est aussi intéressant pour l'un ou pour l'autre. Non, c'est pas par là. Donc c'est sûr que là niveau histoire on n'avance pas, mais après je vais pas vous mentir, la fin va arriver très vite. Dès qu'on va voir les pages du codex et qu'on va retourner à la villa, ça va aller très vite. Bon, j'irai justement chercher la tenue d'Altaïr avant, parce que voilà, pour le swag, et puis pour le swag. Et au moins après bah voilà, on ira finir le jeu et ça ira très vite hein. Franchement ça va aller très vite la fin, ça sera beaucoup de cinématiques pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ça va aller très vite. Normalement là on aurait déjà dû finir le jeu si j'avais pas les deux séquences additionnelles. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer ces additionnelles, sachant parce que tout le monde n'a pas justement ces séquences là. Donc ça peut être vraiment intéressant. Mon ordinateur me fait peur parce qu'il me dit qu'il reste plus que 10% de batterie. Donc on va aller se manier les fesses. Je crois qu'on doit pas être loin en plus du tombeau cette fois. Ouais, on n'est pas loin. Je vais juste regarder combien de temps il va tenir mon ordi, sinon je vais faire une petite ellipse ou je sais pas trop comment. Non, je vais pas faire une ellipse, mais attendez. Hop, je vais juste me concentrer pour aller au moins de l'autre côté, sans me baigner la tronche. Ah, ouais, c'est bon, ça l'a fait. Non, te refaille pas, petit. Et puis, ouais, bah niveau page du codex, on continuera ça soit après, parce que là on est à 14 minutes, mais ça m'étonnerait que je finisse le... Enfin, de toute façon, on finit le tombeau aujourd'hui, hein. Mais je pense qu'après le tombeau, on ira, on se quittera. Je sais pas du tout combien je vais mettre de temps, donc on va bien voir. Hop, on rentre dedans. Par contre, je regarde juste combien de pourcents de batterie il me reste. Oh, ça va tenir 13 minutes. Donc ouais, on peut tenir la fin du World Truth. On peut tenir.
Ouais. Je regardais juste parce que la batterie baisse vite quand même, donc c'est pour ça que je vais être stressé là. Par contre, alors là, je me rappelle plus du tout. Aïe. Je me rappelle plus du tout. Je vais découvrir avec vous, donc si je parle pas, c'est parce que je redécouvre. Ouais, je sais plus du tout. Ah oui, c'est celle-là. Elle ressemble beaucoup à un autre tombeau. Je veux pas dire le nom parce que j'ai peur de dire une bêtise. Mais elle ressemble beaucoup à un autre tombeau. Donc c'est pour ça que je me rappelais un peu de celle-là. Mais j'avais peur de me tromper avec l'autre. Donc là, on va essayer de pas se baigner la gueule. Parce que sinon, on se retrouve tout en bas. Je sais plus du tout par où qu'on monte. Alors attendez, je vais descendre. Je sais plus du tout par où qu'on monte. Normalement, ça doit être par là. J'espère. Alors là, ça va. Ouais, non, même pas. Ouais. Puis ouais, ça fait long. Là, par contre, ça va être redécouverte totale. Ah, j'aurais dit par là, non. Je sais pas du tout. Alors là, je suis désolé. Là, je redécouvre en tant que vous la map. Enfin, la map. Le tombeau. Alors par contre j'espère d'aller assez vite. Alors là je peux pas aller à droite, je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi. Ok. Bon. On doit sûrement devoir. Ouais c'est bon. J'ai vu, c'est moi qui me suis trompé. Voilà, faut partir d'ici si je dis pas de bêtises. Et même pas. Oh là là, je suis désolé, je. Bon attendez, je crois qu'on va partir de là en fait. Je sais plus du tout. Là, ça me. Ouais, c'est bon, c'est par là, je crois. Je vois ça. Je vois des trucs à droite. Non, même pas. C'est même pas par là. Mais c'est par où alors? Oh là là. Ah, ça me perturbe là. Moi qui voulais finir ça vite, ce tombeau. Ah bah si, attendez. Voilà. Pourquoi s'embêter? Donc là c'est bon. D'accord, je sais pas ce que j'ai voulu faire, on recommence. Je sais pas du tout ce que j'ai voulu faire. Alors. Donc on recommence. Ah purée, moi qui me suis dit ça va aller vite. De toute façon on va devoir le finir parce que bon j'ai commencé hein. Mais ouais. Ah oui c'est bon, je suis bête. Je suis désolé, je me rappelais plus du tout de cet endroit là. En plus il reste que... mon ordinateur il me stresse, en plus il me dit il reste 7%. Dépêche toi. Tu vas plus avoir de batterie bientôt. Arrête de me stresser comme ça. En plus 7%, c'est vrai que ça fait pas beaucoup et j'ai pas envie de recommencer cet épisode, mon dieu. Hop là. Quoique un jour mon ordinateur a carrément eu plus de batterie et coup de bol, bah il avait tout fini d'enregistrer, donc j'avais vraiment eu du bol ce jour-là. Hop là. Donc là maintenant ça va aller un peu plus vite vu que j'ai voilà le chemin est tout indiqué. Hein. Je descends comme ça. Ah ouais, je descends comme ça. Après je pense, alors faut pas se faire avoir, faut pas continuer tout droit, mais faut continuer par là. Normalement. Ah oui, je me rappelle. Ah oui, c'est bon. Et normalement je vais sûrement me fail à un moment ou un autre si je me rappelle bien. Là, dans ma tête j'ai un. Non. Je comptais me fail, mais pas ici, monsieur. Ah non. Hors de question, et c'est mort. Non, j'étais trop bien parti. Allez, remonte là-haut. Donc, dans le prochain épisode, ouais, on fera... Ah non, attendez, je fais pause. J'espère que vous n'allez pas voir le bug du PVR, mais bon, ça va sûrement être le cas. En tout cas, je fais pause, voilà, j'enlève. Dans le prochain épisode, on fera... Bah la suite des pages du codex hein, donc il nous en reste toujours 4 à voir, ou 3, non je sais plus, bah non vu qu'on en a chopé une normalement il nous en reste 3. Et donc ouais, on fera les pages du codex, on ira chercher les pages du codex et faire les derniers tombeaux, enfin les derniers contenus additionnels qui restent, parce que bah ça peut être sympa pour ceux qui n'ont pas le jeu. Donc voilà, et on commencera peut-être la dernière séquence, ce qui m'étonne fortement. Parce que bon, on a encore pas mal de tombeaux à faire, vu qu'il faut compter au moins une petite dizaine de minutes tranquillement pour le faire. Donc bon, voilà. Je pense que il y aura encore, on va dire, un épisode où que ça sera
bah que du comment dire ça, du bonus. Enfin voilà, ça sera, oh purée, j'ai eu chaud. Ça sera voilà, juste pour vous montrer les contenus additionnels, puis un autre épisode où on va vraiment commencer la dernière séquence. Là le truc va tomber, voilà, c'est bien ce que je pensais. Et on va continuer à aller tout droit. Et on avance plutôt pas mal. L'ordi me stresse encore, ça me saoule. Ah, j'espère qu'il va y avoir assez de batterie. C'est pour ça que je rush et que je me baigne peut-être, parce que je... Oh purée, je crois qu'il fallait que je tourne à gauche. Ouais, oh non. Oh non, 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 non. En plus, l'ordi a plus du tout de batterie. Attendez, je regarde juste vite fait. Ah, ça va tenir 8 minutes. On attend. Eh, faut qu'on finisse en 8 minutes, les amis. Ah purée, je suis stressé. Si je me parle pas, c'est normal, c'est que je suis stressé. J'essaie de vous finir l'épisode d'aujourd'hui le plus vite possible. On va être pressé par le temps, là. D'habitude, moi qui dis qu'on n'est pas pressé, bah là... Aujourd'hui, ça va être le contraire. Ah, j'essaie de pas me baigner la gueule, de pas trop rusher non plus, parce que c'est quand on rush qu'on fait des bêtises. Donc, hop, non, normalement, on se rapproche de la fin. Hop, là. Et on va pas faire les idiots. Normalement, bim, bim, et bim. Donc voilà, en plus, on est juste devant la porte. C'est tout bon. Donc là, on va juste choper vite fait le dernier coffre, et puis on se quittera là-dessus quand même. On aura fait deux petits tombeaux assez sympas, qui sont vraiment assez sympas à faire, hein. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas les contenus additionnels, bah de les acheter. Ça coûte pas trop cher, hein. Généralement Ubisoft sont pas très sont pas des gros morphales niveau prix de jeu, donc bon voilà, je pense que c'est sympa à faire. On va juste se barrer, et je sais pas du tout combien il reste de temps sur l'ordinateur, mais ça me stresse. Donc les amis, je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, les deux petits tombeaux de Templiers faits. Bon, il y aura aussi une page de codex de fête. Puis dans le prochain épisode, bah, on continuera les pages de codex et les tombeaux à faire. Puis bah, on va bientôt se rapprocher de la fin. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais là, on y est vraiment, très bientôt. Donc j'espère que ça vous aura plu. Geek et bien, c'était Shadow Nightmare. À la prochaine. Salut tout le monde.